bien, bonjour à toutes, c'est H. J'espère que vous avez la forme pour ma part. Ça va vraiment super bien, comme d'hab. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va vous présenter un bug sur Clash Royale qui n'a pas encore été présenté, si je ne m'abuse, sur YouTube. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Bishman qui m'a envoyé donc ce bug. Et donc, c'est un bug de combat amical sur Clash Royale. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc deux combats amicaux qui se déroulent. Donc vous pouvez voir en fait qu'il y a donc deux onglets pour les combats amicaux. Le premier qui est donc combat amical en cours qui est donc à 4 minutes 57 secondes. Bien évidemment ça a dépassé le temps réglementaire qui est, si je ne m'abuse, de 3 minutes en tout. Maximum, je crois que c'est 3 minutes un combat sur Clash Royale au max. Et en fait vous pouvez voir que c'est The Big Mac qui combat contre la biche Antoine. Et ensuite vous pouvez voir que dans les résultats du combat amical, il y a marqué en fait la biche Antoine contre Walter. Alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est que la biche Antoine a fait deux combats à la fois, sauf qu'en fait il n'en a disputé aucun. Ce qu'il faut savoir donc aussi, c'est que la biche Antoine il a accepté deux combats en même temps. Et en fait ça fait comme si il avait joué les deux à la fois, alors qu'en fait il n'en a joué aucun. Et c'est pour ça en fait que c'est marqué qu'il est dans deux combats amicaux à la fois. Alors, d'après ce qu'il m'a dit, je sais que ça va être compliqué à vous expliquer, que vous n'allez certainement pas comprendre, mais je vais donc vous lire ce qu'il m'a écrit. Alors, le bug s'est produit lorsque deux personnes veulent faire un combat. Donc, il y en a un qui fait une demande de combat amical, et l'autre aussi qui fait donc une demande de combat amical. Il y en a un, donc le premier, qui enlève la demande et qui accepte celle du deuxième. Sauf que deux personnes ont accepté en même temps, c'est-à-dire deux autres personnes, il faut être 4 pour réaliser ce bug. Le premier qui fait une demande de combat amical, le deuxième qui fait aussi une autre demande. Ensuite le premier il enlève sa demande pour accepter celle du deuxième. Mais en même temps il faut que deux autres joueurs extérieurs acceptent chacune des demandes. Alors c'est un bug super compliqué à réaliser, personnellement j'ai pas testé. Je pense que ça doit se jouer encore pire que le premier bug pour faire 3 couronnes partout. Donc là voilà, vraiment il faut être très château pour faire ce bug. En tout cas bravo à lui de l'avoir réalisé, de m'avoir envoyé le screen, parce que ça n'a pas dû être évident. À mon avis c'est surtout un bug qu'il a réalisé comme ça mais sans vouloir le faire exprès. Et en tout cas voilà, c'est un beau petit bug. Donc je vous laisse apprécier l'image quand même, parce que vous pouvez voir que sur le premier combat la biche Antoine est écrit donc en rouge, et ensuite il est passé dans le camp bleu pour les résultats du combat amical, qui est donc un autre combat amical qu'il a disputé avec un autre membre de son clan. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer d'être plus actif pendant les vacances. Je suis en vacances à partir de mi-juin, donc je vais pouvoir vous proposer normalement 2 vidéos par semaine. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Je vous souhaite une bonne semaine, si jamais vous n'avez pas passé une bonne semaine. En tout cas, je suis toujours là pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux. Donc je vous donne tous les liens pour les réseaux sociaux. Donc tous les liens sont dans la description, que ce soit pour avoir des j'aime, pour les réseaux sociaux, etc. Sur Instagram, c'est Anto260200. Sur Snap, Anto260200 aussi. Sur Twitter, c'est ASH-ARNE. J'ai aussi créé un autre compte Insta spécialement pour la chaîne qui s'appelle ASH.ARNE. Donc en fait, voilà, il y a tous les liens dans la description. Si vous voulez gagner au concours, enfin du moins tenter de gagner au concours, n'hésitez pas à aller vous abonner à tous mes comptes sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je ferai le tirage final. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à laisser un commentaire, à la partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao les acharnés.